Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très 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 bien. En tout cas, moi je vais super méga bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer WAMP Server 3.2.6 sur Windows 11, 10, 8 et 7. Alors prenez votre navigateur, tapez localhost pour vérifier voir si vous avez déjà un serveur web sur votre port 80. Moi je n'ai rien sur mon port 80. Si vous avez un serveur web installé sur le port 80, pensez à changer le port par défaut de WAMP après l'installation. Du coup, on va télécharger ensemble WAMP Server. Vous faites la recherche sur Download WAMP Server ou rendez-vous directement sur le site wampserver.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur wampserver.com, vous cliquez sur télécharger. Voilà, là il y a la liste des WAMP Server disponibles. Il y a pour le système d'exploitation 32 bits et pour le système d'exploitation 64 bits. On va vérifier ensemble quel est notre système d'exploitation. Moi j'ai 64 bits. On va vérifier ensemble. Vous cliquez sur PC, puis vous faites propriété. Voilà, là s'affiche la version de votre système d'exploitation. Moi j'ai le système d'exploitation 64 bits. Voilà. Du coup, je vais installer le WAMP Server 64 bits sur ma machine. Là, on télécharge pour 64 bits, puis je clique sur passer au téléchargement direct. Voilà, le fichier est en train d'être téléchargé. Là, on double-clique sur le fichier téléchargé, puis on l'installe. On choisit la langue vite fait. On clique sur « Je comprends, j'accepte les termes du contrat de licence ». Voilà. Voilà, cette partie est la plus importante de toute l'installation. Vous pouvez lire si vous avez un peu de temps. Mais le plus important, c'est qu'il y a toutes les dépendances nécessaires à WAMP Server en bas. Vous pouvez décider soit de les installer une à une ou télécharger l'ensemble des fichiers en même temps. Je vous déconseille de les télécharger une après l'autre. Voilà, je vous montre pourquoi. Je clique sur le premier lien. J'ai erreur 404, je ne sais pas pourquoi. R404, c'est nul. Je vous déconseille de les télécharger une après l'autre. Voilà, je clique également sur le second lien. J'ai également R404. Voilà, je vais montrer la méthode que je vous conseille. Vous venez tout en bas au niveau de la partie où on vous dit que vous trouverez tous les packages sur ce site. Voilà, là vous cliquez sur ce site. On va télécharger ensemble l'ensemble des packages en même temps. Pour être sûr de ne pas avoir des problèmes par la suite. Voilà, il y a également pour 32 et 64 bits. On va télécharger les deux, mais nous on va installer juste pour 64 bits. Si vous avez le système d'exploitation 32 bits, installez pour 32 bits. Je vous montre juste comment télécharger les deux. Voilà, le téléchargement est fini. On va ouvrir l'emplacement du fichier, puis on va installer pour 64 bits. D'abord, on décompresse le fichier. On décompresse. On décompresse. Là, vous allez voir qu'il y a plein de dépendances dans le dossier. On va les installer une après l'autre. Voilà, on installe le premier, puis on installe le second, et ainsi de suite. Après l'installation, il y aura un outil à télécharger. Le lien est juste en haut de ce lien sur lequel on a cliqué. Il y aura un outil pour vérifier si toutes les dépendances sont bel et bien installées. Je vous mets également l'outil en description.
Voilà l'outil. Vous cliquez sur cet outil, vous l'installez. Puis vous allez vérifier ensemble si toutes les dépendances sont déjà installées ou s'il y a un problème. On clique dessus, on l'installe. Là, je vais simuler le problème. En cas de problème, vous aurez ce genre de message. Voilà, vous aurez ce genre de message vous indiquant que certains packages ne sont pas installés. J'ai simulé l'erreur, mais nous, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Dans notre cas, vous aurez plutôt le message vous indiquant que les packages VC++ nécessaires à Observer sont installés. Voilà, avec cette méthode, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Voilà, si vous avez ce message, alors vous pouvez continuer avec l'installation. Voilà, on clique sur suivant, 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 puis on l'installe. Là, ici, on me demande si je veux que Internet Explorer soit mon navigateur par défaut. Moi, je clique sur non. Je suis pas trop un grand fan de Internet Explorer. Ici, ça me demande si je veux que Notepad soit mon éditeur. Là, ça me va très très bien. Je clique sur OK, puis j'enregistre. Voilà, à la fin de l'installation, vous allez voir la version de WAMP Server. J'ai WAMP Server 3.2.6. Après, on exécute WAMP Server. Voilà. Lorsque vous remarquez que le logo de WAMP Server est rouge, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans notre cas, c'est vert. Alors, tout est OK. On tape alors localhost. Vous allez voir, on a WAMP Server installé. On va également vérifier si tout va bien avec phpMyAdmin. On tape localhost bar phpMyAdmin. Voilà, tout va bien. Les identifiants, le login c'est root, il n'y a pas de mot de passe, vous cliquez sur OK. Vous pouvez désormais créer votre première base de données. Voilà, pour vérifier aussi que tout va bien avec PHP, on clique sur l'outil PHP Info. Voilà. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre installation. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et surtout, restez en bonne santé. On se retrouve très très bientôt.